Salut à tous, salut à toutes, c'est DIRK36 pour la suite du Let's Play sur Sins of a Solar Empire Rebellion. Alors, j'ai eu un petit problème de sauvegarde, j'ai dû reprendre en fait où j'en étais à peu près à l'épisode 2. J'ai fait à peu près les mêmes choses pour respecter ce qui avait été ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. De toute manière, j'avais pas tellement de choix non plus. Donc là, j'ai colonisé la planète dans l'Empire des Bleus, là, je sais même plus comment ils s'appellent, nos amis. C'est la. Le consortium Arn, et j'ai découvert la planète qu'il faut contrôler. Donc là, je suis en train de mettre des installations sur ces deux planètes avec de la propagande. C'est les lignes rouges que vous voyez progresser gentiment. Je vais d'ailleurs lever la pause. Voilà. Et puis j'ai ma flotte principale qui est autour de cette planète Elenos. Ici, qui est composé essentiellement, ben, il y a déjà deux capital ships, hein, un Marza et puis un Callisto. J'ai quelques Javelis et puis donc les porte-avions 5, c'est relativement efficace. Oula, tiens d'ailleurs, il y a un capital ship ennemi qui. Ah non, c'est un Neruda. Tout le monde lui tombe dessus là, pour avoir l'efficacité de la flotte. Vous voyez déjà qu'avec le passage des chasseurs, on a. Fait quasiment la moitié, enfin on a descendu tous les shields et puis ensuite bah, il y a le plat de résistance qui lui tombe dessus. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, bon, on va les laisser faire, c'est pas très très important. Et puis là j'étais en train de constituer une flotte. J'ai demandé, oui, là j'ai un nouveau battleship, enfin battleship décidément, un nouveau capital ship. Alors lui c'est un. Ah, c'est déjà quoi? Un Novik. Donc c'est du soutien. Il peut restaurer les shields alentour, une charge MP ou magnétiser ce qui, je pense, font en l'air les boucliers des vaisseaux adverses. Alors restaurer les shields, ça peut être assez cool. On va lui adjoindre un petit vaisseau, enfin un petit chasseur. Ici, on va construire quelques Kodiak, des porte-avions. Et puis après, je ferai des frégates. On continue à équilibrer avec en vendant notre métal qu'on construit en relativement bon rythme actuellement. Hop. On va lui mettre aussi quelques bombardiers pour cette flotte. On va aller la tester en fait, dès qu'elle sera un peu plus grande, sur là ici ce système contrôlé par les pirates. Pendant ce temps, bah, on va continuer à développer nos systèmes ici. Qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, je vais mettre un trade port sur celle-ci. Comme ça, ça m'assurera des revenus encore plus réguliers. Là, je suis à 11,2 par seconde, ce qui est pas mal. Pas mal, pas mal. Au niveau de la recherche, ouais, je gagnerais un petit peu en civil. Tiens, on va profiter pour investir dans l'extraction de minerais. Si je fais un autre civil ici. Voilà, là, j'ai plus de place sur cette planète. Je vends l'excès de métal. Ok. Qu'est-ce qui vient merdouiller ici? Ici, est-ce que j'ai construit de quoi défendre ce système? On va en faire un deuxième ici. Quelques tourelles gauss. Parce que je vais me bouger un peu avec ma flotte. On va aller emmerder. Je crois que c'est. Je me demande si c'est pas leur capitale en tout cas. Visiblement, il y avait du monde avant ici. Peut-être que je dois repartir en catastrophe. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'est encore un Neruda. De toute manière, là, il y a de quoi défendre ici. Là, j'ai une autre petite flotte de réserve. On va profiter pour construire les chasseurs. Je vais la constituer en flotte, ça sera plus clair. Et puis ici, capitale. Ouais, j'ai pas beaucoup d'argent. On va faire quelques Garda. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Voilà, notre flotte s'apprête à sauter. Alors, sur quoi on va tomber ici? On va voir. Tout le monde arrive, les capital ships derrière, c'est normal, ils sont plus lents. Ouh, il y a du monde, mais c'est pas défendu. Amusez-vous les gars. D'ailleurs, pourquoi ils s'énervent pas plus que ça? Ah oui, ils sont en train de tirer là, ils sont en train de détruire les cross-off qui traînent. Ok. Très bien, allez-y, c'est la fête. Je pense que je vais tous les manger par là. Ça va aller assez rapidement cette partie.
Parce qu'ensuite, je vais tout rejoindre et puis je vais essayer d'aller contrôler le système là-bas. Donc, peut-être que pour cet épisode, ce sera la fin de cette mini-série. C'est probable. Ok, lui, on va aller lui dire d'aller attaquer la planète déjà. Voilà, ici, maintenant, c'est chez nous, il n'y a pas de souci. Là, ils passeront pas. En plus, ma planète est bien défendue. J'ai des chasseurs, j'ai une mini-flotte, j'ai des tourelles. Bonjour pour rentrer. Ah, je peux, j'ai plus de points. Si, je peux faire de la logistique en plus. Donc, si plus j'ai de population, plus j'ai d'impôts. D'ailleurs, là, le fric, ouais, 12,5 secondes. Ça augmente, ça, c'est avec les ports de commerce. Allez, on accélère un petit peu. Je mets en x8. Vous voyez, hop, il y a tout qui monte. On revient à une vitesse un peu plus raisonnable, x2. Comment ils s'en tirent ici? Ils sont en train de nettoyer gentiment le système. J'ai mon Marza qui attaque la planète. Donc, ouais, là, elle souffre la planète, hein. Elle souffre la jauge là. Comment je peux voir mieux? Ah bah oui, je suis dessus, je suis bête. Ouais. Il y a encore du boulot, mais elle est en train de prendre. Ça va se faire tout seul. On va en profiter pour investir dans la petite flotte, là. Non, je vais mettre des frégates. Les Javelis, c'est bien pour les missiles. Des Shrinken, ça bouge dans tous les sens. Ah, j'ai bientôt plus de logistique de flotte. Enfin, j'ai quasiment plus même. Ça, on augmente. Ça, c'est pour le Capital Ship. Voilà, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qui se passe là? C'est bon. J'ai mes amis qui s'en occupent. En plus, j'ai les défenses. Voilà, on est en train de tout détruire. Ça, c'est quoi? Un trade port. Ouais. Ils vont se le faire aussi. Ah, j'ai un peu moins vite là, je me disais. C'est bizarre. La planète. Il y a aussi l'allégeance, vous voyez, elle est à 93% maintenant. J'arrive gentiment vers la moitié de la prise de la planète. Ok. Et plus j'aurai de propagande là-dessus, plus ça sera facile en fait de coloniser la planète. Parce qu'il ne suffit pas de tout détruire et tout raser, s'il y a toujours une allégeance qui persiste. Alors ici. D'ailleurs, dans mes recherches militaires, voilà, j'ai les titans qui peuvent être construits. Prototype Cielo, ça c'est pour, c'est des vaisseaux de soutien. Qu'est-ce que j'ai comme autre? Oshiko, ça répare. Il faut que j'avance comme ça, voilà. Alors là, j'ai tout utilisé. Ça serait, est-ce que je pourrais construire un truc de titan? Enfin, une usine de titans, pardon, je m'exprime pas très très clairement. Usine de titans. Il me faut plus de capacité logistique, mais j'ai pas assez de fric. On va vendre tout ce métal en excès. Voilà. Ah mince, comment on construisait ces. Ah, c'est ici. Les titans. Ah, mais j'ai déjà construit une. J'avais oublié. Il me semble bien que j'avais construit quelque chose ou pas. Non, non, c'est en grisé. J'ai pas du tout accès. Construire un titan, est-ce que c'est dans les Capital Ships? Comment on faisait? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah, Titan Foundry, c'est ça. Bon, il faut que j'aille un peu plus de tactique en fait. La capacité tactique, voilà. Ok, bon, on va voir pour construire un titan, mais ça va prendre du temps. Ça se trouve, j'aurais fini la partie avant. Alors ici, ça ressemble à quoi? Hop. Alors cette flotte, elle se compose. Là, j'ai deux porte-avions, deux Kodiak, quatre Kodiak et des frégates. Ouais, ça commence à être intéressant. Et puis ici, toujours pas fini. La planète, elle arrive, elle est à moitié détruite. On va dire à l'autre Capital Ship d'aller l'attaquer, ça ira un peu plus vite.
ici, tout le monde est tranquille. Je peux améliorer encore. Niveau recherche. Les boucliers. Ok. Prototype Cielo en train d'être recherché. On peut se permettre d'accélérer encore. Ah, comment? Où est-ce que ma flotte est attaquée? C'est ici? Non, c'est juste encore un éclaireur. Ok. Tout va comme sur des roulettes. Tac. Allez, on va encore accélérer. Voilà, le fric monte. Un peu moins vite. Ah, cette planète, elle est en train de prendre cher. L'allégeance est à 84%. Je pourrais construire encore ici. Pardon. C'est... Ouh. Mais là, il y a un capital ship, là-bas. C'est ici que ça se passe. Faut leur dire d'attaquer ce mec. Ah, c'est le Marza qui a pris là. Il se fait attaquer par un autre Marza. Allez, tous contre lui. Un petit Iron Bolt. Boum. Oh, ça va. Là, il va pas résister très longtemps. Tout le monde sur lui. Là, il y a le Callisto qui lui défonce la face. Voilà. Bon. Il lui reste même pas la moitié de sa coque. Ça, c'est quoi? C'est voilà, une usine de frégate. Je suis à quelle vitesse, moi, d'ailleurs? Là, je suis à vitesse normale. Ok. Ah, il peut s'améliorer. Hop. Ouais, non, là, il essaye de s'échapper, mais je crois que c'est trop tard. Il pète. J'aime bien comme il pète. Bon, allez, on va finir cette planète. Si je dis à tout le monde d'attaquer, il y aura uniquement les vaisseaux qui sont capables d'attaquer, de faire du bombardement planétaire, qu'ils le feront. Ok. En attendant, là, j'ai pas mal d'argent. Je pourrais même acheter un petit peu... de cristal. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, augmenter encore la taille de ma flotte. Non, pas de capital ship, évidemment. Je vais mettre un Hachiko. Deux même. Deux Cielo. Du Kodiak et du porte-avions. Là, ça va commencer à être une flotte assez intéressante. Je peux vendre un peu. Voilà, un petit peu de cash. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais plus les Neruda à quoi ils servent. Est-ce que c'est pour maintenir l'allégeance? Je sais plus. Bon, là, il y a le Marza qui est en train d'envoyer la saucée. Ouais, l'allégeance, là, ça... Normalement, je peux pas coloniser si elle est si haute. Bon, c'est pas grave. On va les laisser dans le coin. Ici, il se passe quelque chose. J'imagine que c'est... Ouais, c'est encore une Arkova. Mais là, ils peuvent plus passer. Hein. Je les défonce avant. Ok. Alors, ça, cette flotte... Elle est résumée là. Ça grandit. Alors. Là, il y a la file d'attente de construction. On va mettre un petit peu de cobalt. Garda. Javelis. Les Arkova, non, pas besoin. Bon, on va accélérer encore. Behold my creations. Okay. Ah bah voilà, tiens, je pensais pas que je l'aurais si facilement. Allégeance 35%. On va les laisser nettoyer, puis je vais développer un peu la planète, maintenant que j'y suis. Du monde, la capacité... Non, je voulais en mettre un de moins, voilà. J'ai pas assez d'argent. Hop, on se sert. C'est vraiment pratique, hein. C'était pas comme ça dans les premières versions. La défense... On est quand même en territoire ennemi. Ah, il faut que j'aille voir la Titan. Oui, la Titan. Il faut que je fasse des Titans, c'est ça.
1600 et 400. Ouais, bon. On va accélérer encore. Ok, tout va assez vite là. On se remet en vitesse normale. Je gagne 12.4, j'ai pas vraiment augmenté ma capacité d'extraction, enfin de revenus. Ok, bon, alors maintenant, on va faire le titan ici. Non, 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 je vais le faire plus près. Ici. Là, ah, il a pas, il faut plus de capacité défensive. Et puis là, est-ce que je peux le faire? Oui, là, ça devrait être possible. Ok, ah oui, il faut que je sélectionne. Ok, on va faire ça là. Ensuite, je pourrais l'adjoindre à la flotte que je suis en train de créer ici. On en est où? Voilà, la capacité en tout cas des porte-avions est accrue. On commence à en avoir un joli petit paquet. Ouais, elle est quasiment plus importante. Simplement, j'ai un seul capital ship dedans. Ça pourrait être une idée d'en avoir deux. Je vais déjà tester ça, voir ce que ça vaut par là. On va aller bouger là. Pendant ce temps, on récolte toutes nos petites ressources. Là, on peut développer la planète, j'imagine. Voilà, ça c'est pour les défenses. Un peu plus de monde, un peu plus de logistique. Tac, tac, tac. Oui, et j'oublie tout le temps les extracteurs. C'est pourtant capital. 6.7 de revenus pour le métal et pour le cristal 2.7. Ouais, cristal, c'est pas terrible, terrible. Bon, eux sont à l'agonie. J'ai ma propagande qui se diffuse un peu partout. Est-ce que je peux construire encore là? Ouais, il manque du fric, comme d'hab. Allez, on va faire un relais de propagande par là. Il faut pas que j'oublie que j'ai quelques vaisseaux encore ici. Bon, on va les laisser là pour l'instant. On va gentiment remonter. Je peux aussi gagner peut-être en les détruisant comme ça. Je sais pas. Non, mais j'ai mis comme unique condition de victoire d'aller choper la planète indépendante. Alors, où se balade ma flotte? Par ici. Ok, c'est en route. On va se permettre d'accélérer un peu encore. Tac, tac, tac. Ok, ils sautent là en bas. On les voit. On va accélérer jusqu'à ce qu'ils soient au niveau de l'étoile. Décidément, j'ai pas beaucoup de cristal. Voilà. D'ailleurs, il y a du monde là. Non, c'est juste que c'est les autres qui ont colonisé ici. Pas grave, tant pis. Au point, ils en sont. Ok, on va revenir à vitesse normale maintenant. On les laisse arriver, puis on va les faire sauter sur le système pirate, voir ce que ça cache. Et là, est-ce que je peux faire un titan? Oui. Et, mais ouh, ça coûte tellement cher. Et puis il me faut de la capacité en plus au niveau des logistiques de flotte. Donc le titan, c'est ça. Il faut un point de capital ship en gros. Et puis il faut que j'accumule maintenant 9000. Mais combien ça coûte encore pour le reste? 9500, 1200 et 750. Ouais, c'est pas si loin que ça. Hein. Pas si loin que ça. Alors, tout est sous contrôle ici. Bah, on va sauter pour la suite. On va les annihiler. Et là, vous allez voir à quoi ressemblent les petits pirates là cachés. Ok, puis nous, on va essayer d'économiser un peu jusqu'à ce qu'on aille de quoi s'acheter un titan. Ah, je vais juste peut-être voir ce qui se passe là-bas. Bon, pas de gros vaisseau. On va les laisser envahir le système gentiment. Alors, en vitesse accélérée, je suis à combien là? 4 fois. Ouais, je vais checker peut-être aussi. Là, les recherches, bon, ça, on y arrive. Défense, d'accord. Les shields. Avec ça, c'est seulement pour le call battleship. On va améliorer la résistance des vaisseaux.
Et ça, c'est pour des générateurs un peu meilleurs. Ça améliore un peu tout le monde. Tac, tac, tac. Ça régénère l'antimatière plus vite. C'est toujours utile. Alors, là, il n'y a pas de gros vaisseaux qui sont arrivés. Mais il y a pas mal de vaisseaux ennemis, par contre. Hein. Mais je pense que là, je suis largement supérieur. On va les laisser se battre un peu. Oula. Oh, nom de Dieu. Il y a des mines partout. Mais là, je vais me faire rétamer. Non, on part, les gars. On part. Reviens des... Je crois qu'il faut... Si on regarde ici, ils se font attaquer. Voilà, personne n'est mort pour l'instant. Bon, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Ils sont pas énormes, hein. Je préfère en avoir plus, là. J'ai pas envie de... Voilà, ils prennent quand même au niveau des boucliers. Bon. Puis surtout, il y a beaucoup de mines et il y a beaucoup de tourelles. Ouais, non, ça va pas. On va pas pouvoir rentrer là-dedans juste avec ça. Bon, ce sera pour la prochaine, je pense, le coup de grâce. À moins que je termine la partie en les tuant tous ici, mais ça m'étonnerait. Ok, c'est en train de se faire. Si je vends du métal, est-ce que j'ai de quoi construire le titan? Ah, c'était 1400. On va peut-être pas trop en vendre, mais oui, ça devrait pouvoir se faire. On accélère un peu. Voilà, allez. Ok. Alors là, maintenant, on va se choper le titan. Y a pas moyen? Ah, il n'y a pas de capital ship crew? Mais comment ça? Il en faut... Ah, il en faut deux. Évidemment. Évidemment. Bon, bah, on va attendre que ça se fasse. Ça monte assez vite, mais je suis en x8, hein. Il faut préciser. Bon, bah, ça va arriver. Où est-ce qu'on en est là-bas? Ah, quand même, ils ont pris, hein. Ils ont même pris plus que ce que je croyais. On va les renvoyer là-bas. Est-ce que j'ai moyen de construire là ou là? Ouais, on va peut-être construire un tout petit peu plus là. Kodiak, Cielo, Ashiko. Hop. Un petit peu de toutes les classes. C'est plus polyvalent. Puis du coup, bah, je suis à sec niveau ressources. Cette petite flotte, on va l'envoyer là-bas. Elle va se joindre à l'autre, ça sera plus puissant pour les nettoyer de manière un peu plus radicale. Allez, on accélère. J'ai envie de lancer la construction du Titan avant la fin de l'épisode. Il faut 750 cristaux aussi. On va, j'ai un peu en excès, pas tant non plus. Ok, on devrait avoir quasiment atteint les conditions pour le Titan là, si je dis pas trop de conneries. Il manque, ouais, encore un peu d'argent. On devrait y arriver. Allez, j'accélère encore un peu maintenant. Qu'est-ce qui manque là? Capacité de flotte. Ah, ça mange de la capacité de flotte. 150, j'avais pas vu. Oh, les ressources que ça demande, mais ce truc, il est... Oh, j'ai mis quoi là? Capital ship? Ça c'est pour, je me confonds, non, maximum fleet, ça c'est ça. Bon. J'aimerais même vous le montrer là, ça fait 25 minutes, allez, on se fait 30 minutes d'épisode, puis on verra ce qu'a ce titan. Là je devrais être bon. Voilà, enfin. Bon, un seul titan à la fois, tu m'étonnes. Ceux qui arrivent à en mettre en file d'attente, c'est... Ouais, mais là ça va prendre aussi des plombes, hein. Comment on peut savoir la vitesse de progression? Ah oui, ouh là là, ouais, d'accord. Vous voyez la barre de progression là? Là, je suis en x8. Ah bon? Ah, ils m'ont suivi jusque-là. Non, ça va. C'est pas vraiment une grosse invasion. Alors, les revenus, je suis à toujours à 12,5. Je crois que ça serait un peu mieux. 6,1 et 2,3. Ouais, pas terrible. Il y a aussi l'entretien de la flotte, mais ça... Ah, mes planètes, là, il y en a plusieurs qui sont aussi déficitaires. Et quelle planète est en siège? Je suis fait avoir! Non, ça va.
Pas grave. N'empêche que je faisais le malin. Qui est-ce que je vais envoyer? Ça, c'est ma plus petite flotte. On va dire comme ça et ça. Ouaf, tant pis. Je pense qu'ils vont s'en tirer. On va dire ça comme ça. Hop. Là, tout le monde est au taquet. On les renvoie par là-bas. Ouais, en fait, ils résistent pas tellement. Ils résistent pas tellement. Donc, oups là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Est-ce que ça va prendre du temps? On va les envoyer, eux. Mais pourquoi ils me font tout ce bordel? Là, on va les envoyer par là. Par contre, là, ma planète risque de me la faire manger. Mais il me semble qu'ils ont même pas de vaisseau pour attaquer la planète. Est-ce qu'ils sont en train de se casser là? Ouais, je crois que c'est une mauvaise idée ce que j'ai fait. Je suis coutumier du fait, on va les envoyer là. On va y retourner parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir se casser. Ils m'ont tout défoncé en fait. Hein. On va construire. Je croyais que ça serait suffisant, mais j'étais naïf. Ouais, mais ils vont encore venir avec leur petit. Non, ils se cassent. Hein. On va construire des chasseurs. Non, ils reviennent. Bon. Puis le titan dans cette histoire. Ah, il n'est pas encore vraiment construit. Hein. Ah non, il reste là pour faire chier. Hein. Ah là là, ça m'énerve. Ça prend du temps pour qu'ils viennent. Renfort, allez hop, sauter. Puis pendant ce temps, j'ai bougé toute ma flotte ici. On va la laisser dans le coin. Ah, j'ai du backup ici. Ouais, mais alors, merci quoi. Bon, ça les occupe pendant ce temps. Et puis, il y a la cavalerie qui arrive gentiment. Ok, là ça va. Ouh, est-ce que ce serait le titan ça? Non. Encore. Non, non, il est à moitié fait. Ah! Allez, on accélère. Ce que je pourrais faire, c'est aller les taper de l'autre côté parce que là-bas ils sont tellement affaiblis. Ah, un ennemi a fini le titan. Hop, on revient à vitesse normale. Vengeance. Tous les petits chasseurs là. On peut les suivre. Ouais, bon, on voit que dalle. Là, je pense qu'ils vont tenter de s'échapper. Et puis, pourquoi ils attaquent pas? Ils envoient les chasseurs, ils restent tranquilles. C'est quoi? C'est un titan? C'est un titan ennemi? Oh ouais, bah j'ai bien fait d'envoyer la flotte. Hein. Puis là, mon titan. Là, j'ai quelques vaisseaux. On va en faire une flotte. Et on va les envoyer. Bah en fait, faudrait que j'envoie la flotte que j'ai aussi ici. On envoie tout le monde là-bas. Et on va les défoncer. Par contre, ça... Oulala. Ah là là. Alors... Il est où, mon... Le Marza, tu vas tomber dessus, tout le monde sur lui. Tout le monde sur ce putain de titan. Ok, on y retourne et puis... Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, le titan, je peux toujours me brosser. Ah là là, il est... ça, je l'aurais jamais à temps. Ok. Alors, eux, ils vont en renfort. Franchement, c'est méchant, un titan. Ah, mais là, il est en train de prendre. Ouf, tant mieux. Parce que je suis pas sûr que
Ma flotte, elle résiste. Non, ça va. Franchement, ça va finalement. Allez, on les met tous ensemble. Ouais, quand même. Hein. Alors, où il est, lui? Mais il pourrait venir aider, ce serait sympa. Tac, voilà. Bon, allez, le titan. Oh! Aïe, mon butin capital ship! Non! Non! Bah voilà, c'est vraiment très méchant. Hein. Et mais ça, il y a encore tous les autres qui sont là. Le Marza, il va prendre aussi ce qu'ils sont en train de prendre. Oh là là! Allez, mais attaquez-moi ce truc! Oh là là, mais il m'a défoncé, hein! Juste avec ça. Bon, les autres, ils sont où? Ils arrivent pour finir le boulot. Bon, bah, vous voyez, je me suis quand même fait un peu surprendre, là. J'aurais peut-être dû les titiller un peu plus, là, leur péter leurs ressources. Ils auraient jamais pu faire leur titan, là, qui est en train de me faire très très mal. Mec, il va lâcher. Par contre, il va se faire mon Marza encore. Marza, casse-toi. Casse-toi, mon gars. Il va prendre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh là là, 435. Puis lui, il va mourir ou quoi? 117? Il va le péter, hein. Je sens qu'il va le péter. Voilà, il l'a pété. Adieu, Marza. Mais lui aussi. Eh ben. Ouais, bah la cavalerie, elle porte bien son nom, hein. Elle va arriver quand c'est fini. Voilà, gentiment. Bon, bah ça sera ma nouvelle flotte d'attaque. Hein. Ouh, pendant ce temps, j'étais omnubilé par les ressources, la bataille, et puis toutes mes ressources sont bien montées. J'ai vraiment énormément de fric. Bon, bah écoutez, on a bien dépassé la demi-heure. Petite surprise quand même sur la dernière partie du let's play, et je vois là qu'ils sont en train de m'emmerdouiller encore. Bon, on s'arrête ici, j'espère que j'aurai pas de problème de sauvegarde. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était dire qu'il y a 36 pour Sins of a Solar Empire. À très bientôt, ciao.